Monsieur le préfet, monsieur le maire, cher Ibrahim, mesdames et messieurs les conseillers, messieurs les chefs de village, mesdames et messieurs mes chers camarades, mesdames et messieurs en vos titres et qualités, mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup d'émotion, vous vous en doutez, que j'exprime officiellement devant vous pour la première fois en qualité de ce mouvement endeligué sur nos communes. Constitué de 88 villages, à l'occasion de cette nouvelle année de renouvellement des instances, je voudrais vous remercier pour le soutien massif que vous venez de me manifester. Il traduit la confiance que vous placez en moi, mais également il exprime les fortes attentes qui sont les vôtres. Ensemble, la route nous paraît moins longue. Allons-y plus loin encore. Pour 2019, ayons la force de croire en nos rêves, en nos envies. Nous donnerons à nos projets un peu plus de nous-mêmes pour construire un futur meilleur. C'est maintenant ou jamais. Osons, recréons, innovons. Rions-nous vers une politique meilleure. Allons à l'assaut pour tout ce qui est du bien de notre localité. Chers jeunes compatriotes, chers congénères, la jeunesse qualifiée alors de fer de lance de la nation était interpellée à prendre la pleine mesure du rôle qui était le sien dans la construction d'une nation unie, solidaire, mais aussi performante. Eh bien, nous y sommes. C'est fort de cela que je joins ma voix à la jeunesse de se réunir nos forces, ce mouvement qui appelle à la solidarité et l'union des 88 villages dans le cadre de cette crise politique. Ces jeunes qui acceptent désormais de se constituer en artisans d'une paix concertée. Chers habitants de la commune de Tcholomfal, 2019 est un rendez-vous historique avec de l'innovation, eu égard à l'émergence communautaire annoncée par le président de la République du Sénégal. C'est une opportunité politique unique pour nous. Notre patrie qui vient de naître a largement besoin de ses filles et fils intelligents et courageux. Tenez une référence politique. Monsieur Feu Issa Mbessam, qui était ancien ministre de la prévention de l'hygiène publique et de l'assainissement, ancien ministre de la Santé, mais également ancien ministre des Sports. C'est grâce à cet engagement juvénile et patriotique de ce digne héros que nous affirmons aujourd'hui notre fierté de Sénégalais. Que faisons-nous de cet héritage? Chers jeunes compatriotes, chers congénères, c'est le moment de la reprise de conscience. Cette commune subit de grands désordres et connaît des heures difficiles. C'est le maintenant ou jamais. Osons-nous, mes frères. Recréons-nous et innovons. Rions-nous vers une politique meilleure. Allons à l'assaut pour tout ce qui est du bien de notre commune. Ensemble, relevons le défi, mes frères. Ensemble, reprenons notre commune en main. Pour que prospère notre localité. Notre collaboration ainsi que notre solidarité sont les clés de notre réussite. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne et excellente année 2019.